crois qu'ils ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils blabla, j'mets la vodka dans le verre. Ce soir j'finis rabat, à l'ancienne ça recalé. Maintenant quand il faut parler, j'veux pas trop m'étaler. J'te fais danser, couper des calés. J'me levais tôt, j'coupais, j'détaillais. J'la vendais au paillot. Elle a le regard Kalachnikov. Elle sait pas comment j'la love. Elle a que mon place au bout des lèvres. Au charbon, juste pour des love. J'te fais parano, tu m'amènes des gens. J'te dis c'est qui ça. Ok. Vous entendez bien? Ok l'équipe, bon, là c'est un live, c'est un vlog spécial les amis. Là on est au local, on part. Allô? Direction. Ils doivent l'entendre dans le micro, non? Pour voir Mathias. On va aller voir Mathias, je sais pas si vous vous souvenez de oui, Mathias. Parfait, ok. C'était un abonné à nous, il a 13 ans et il était atteint d'une maladie, enfin d'une maladie, d'un cancer du coup. Et on est allé lui rendre visite, donc dans une maison pour enfants malades. Avant que ça devienne triste, il faut que je vous parle d'un truc. Owen, il a fait un discours au cimetière. Ah non, à l'enterrement. Pas de ça, vous avez... Non, je suis obligé de parler discours. J'étais tellement mal à l'aise que tu... comme tu sais pas parler. Mais frère, il me dit. J'avais envie de sortir d'église. Mais il me dit, va dire un mot devant tout le monde, tu connais personne. Il n'y avait pas un mot de français, il n'y avait pas de. Faut vous mettre à ma place. Il n'y a personne de la famille qui parle, il n'y a que le papa qui a parlé. Personne ne veut parler. Mais c'est dur. Et le papa, il me pousse, il me dit, va dire un mot. S'il te plaît, il aurait aimé que tu dises un mot. Wesh. Les gars, t'as fait le bon geste pour Mathias. Et tout, c'est compliqué. T'as fait ce qu'il fallait pour Mathias. J'ai paniqué, mais j'avais la voix qui tremblait, j'avais pas quoi dire. Va la boire, s'il te plaît. Prends ce que tu me. Et coiffe-toi, pour l'amour du ciel, coiffe-toi, une bonne fois pour toutes. Un coca, chéri, s'il te plaît. Et coiffe-toi, s'il te plaît. Un peu de gel, ça coûte rien. Vous voulez quelque chose, vous? Non, c'est bon. Non? Non. Adjane? Non, merci, c'est bon. Ça décoiffe. Allez! À quand un combat JP versus Astérion? Il a parlé le bougou bougou, la tête d'un, je parlais le bougou bougou, frère. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Deux minutes après, je me rappelais plus. Car moi, j'ai dû leur demander, je dis, mais les gars, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lance la vidéo. Lance, t'inquiète, j'arrive. Mais lance, lance. Mais je m'en fous que tu sois pas là. Owen, assis-toi, au moins il revient pas. Au moins, il a plus de place. Allez. Il y avait un vlog, n'hésitez pas à le rechercher, vous le mettrez au prix dans la description. C'est la première rencontre. Et depuis, on est resté en contact avec Mathias, en très bon terme. On jouait un peu aux jeux vidéo ensemble. Son papa, il m'appelait souvent. On prenait soin de lui. Récemment, on avait payé, pour ceux qui se rappellent, pendant TNA Together, on avait payé une opération. Donc on a toujours été là pour lui, on l'a soutenu, etc. Et ces derniers temps, c'est vrai que ça s'est un peu dégradé. Donc généralement, c'est quelque chose de compliqué, un cancer, les amis. C'est quelque chose de... ça se soigne pas, c'est une rémission. Et du coup, depuis ces quelques semaines, c'est une vraie bataille. Il les enchaîne. Donc voilà, moi j'ai souvent son papa au téléphone, même lui. J'ai eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois au téléphone. Bref, on en parlera plus en détail. Du coup, là, direction Montpellier. Voilà, on lui a pris des petits cadeaux dans le maillot de Bradley Barcola. Qui m'a signé, qui m'a envoyé. Du coup, voilà, direction Montpellier. Il voulait qu'on fasse un live ensemble, où on discute, etc. On devait faire ça sur ma chaîne Twitch. Malheureusement, c'est pas possible, il peut pas se déplacer. Par contre, son rêve, ça a toujours été de faire une vidéo, un vlog. Il voulait se lancer sur YouTube, le jeune. Là, on va direction l'hôpital, lui rendre visite. Et ça va être une vidéo compliquée, je pense. Mais on va le faire. Bonhomme, lui son objectif, voilà mon objectif en tout cas, c'est d'aller là-bas et lui faire tourner son tout premier vlog avec toute l'équipe et tout, donc voilà, on vous tient au jus, là on prend la route. Eh bien, ça me prend du jeu, on arrive à l'hôpital, ça y est, au revoir Mathias, c'est pas du tout qu'on est là. Non, toi c'est une surprise de dingue pour lui. Pour ça toi, papa. Donc là, ça va être une petite surprise. Et en fait, je vais mettre une blouse, une charlotte et un masque et je vais rentrer. Tu caches mon copine. Je pense qu'il va me reconnaître. Ah, je sais pas. Ou alors, il va pas faire attention. Non, parce qu'en fait, c'est dans sa tête, il ne le fait pas. Ouais, mais même, t'auras une charlotte et un masque, c'est compliqué. Ah ouais, mais t'es cramé en fait. Ouais, attends, on va voir. Je pense qu'il va direct. Bah, ça va être drôle. Non, je pense qu'il va bugger parce qu'il fait très vite. Ça se voit pas. Tu sais même pas mettre un masque, frère. Rien.
Elle abuse du tapin, c'est le coup de la charlotte. C'est quoi ça? Toujours un peu de peinture. C'est quoi ça? C'est ta casquette? Enlève-la. Un coup de toi, tu te Attends, donne. Toi, tu vas être flag de fou. Non, en vrai, non, ça va. La RJP, ça aurait été direct lui. Ouais. Et non, parce que Koudou il a jamais vu en vrai. Ouais, c'est pas grave. Mais en vidéo, c'est pas pareil. Je jure, c'est pas pareil. Il y en a qui l'a jamais vu. Ouais, ouais. Et Emir. Allez, let's go. Je vais te faire sortir la mer. D'accord, vas-y. Stressé, non, t'es pas stressé. T'as pas la boule au ventre. Ouais. On va aller voir. Nous-mêmes, j'ai enceinte. Bonjour. Très triste hein, ces couloirs d'hôpitaux là. En pédiatrie. Sinon, ça va un peu mieux. Tu sais qui c'est? Mais oui, c'est normal. Cache leur pelouse. Tranquille? Alors, Koudou, tu joues pas en direct. Alors, comment est-ce que tu as fait? Mathias, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, on t'a ramené quoi? Tiens, Matt, t'as dit j'arrive en mieux ou pas? C'est qui ça? C'est Marco signé spécialement pour toi. Avec le patch de la Ligue 1. Ça, pour moi, c'est pour toi. Et après, il a gardé tout le temps en couverture sur lui le maillot. Normalement, ref. Il est enterré avec. Le t-shirt kick. Merci. Celui-là, il est pas mal aussi. Et il est ramené un classique. T'es obligé de l'avoir, celui-là. Obligé. Devine, c'est quoi? Ah, je sais pas. Hésite. Celui-là, c'est le plus beau. C'est les pieds de Koudou. T'es obligé de l'emmener. T'es obligé de l'avoir, celui-là. Regarde, c'est quoi ce piège? T'es obligé de l'avoir. Alors comment tu vas, Mathias? Ça va un peu mieux, juste ça à l'heure. Ça va, le montant? Juste à l'heure, j'ai vomi un peu, mais... Sinon, ça va. En soi, t'es bien, là, tu t'es pris dans la petite télé. Ouais. C'est ici, là, en ce moment, tu passes... Oui, démangeaison, ça. La morphine. Je peux pas bouger, mais c'est morphine. Ouais. Ok, mon pote. Entre, ça fait grave plaisir. T'as vu, il est venu de Nice, juste pour te voir. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Ça fait trop plaisir, mon ref. Alors, c'est comment on a goûté en plus de t-shirt? Tu m'as reconnu de ce que tu dégoûtais. En fait, je ne connais rien. Je fais pas de ça. Je rentre, j'avais. Même au début, il nous regardait comme ça. Il dit professionnel, avec ce qu'il veut. Je vais pas de ça, Marie. C'est cool. Ça va, ça gratte un peu? Ouais, souvent, une aspect. Depuis quelques jours, à cause de la morphine, ça gratte. J'ai dit, quand même, que tu as quelque chose. Bah, on peut rien faire, ils ont déjà tout donné, je crois pour... Je sais pas. Tu lui poses la question? Je viens. Ça serait utile, seconde. Bah, bien sûr. J'ai regardé le live aussi hier. Lequel? Ah, le FIFA. Ah, le FIFA. Ils sont nuls. Bah, c'est le match le plus nul de tous les temps. Dès que je rentre, on pourra se faire un FIFA peut-être. T'as pas compris. Fut. Je vais te dire que là, j'avais 11 ans, 12 ans. Je suis pas trop une bonne équipe. Donc, Non, mais là, c'est le nouveau. Oui, le nouveau, je suis à 25. T'as joué un peu? T'as fait quoi sur le téléphone? T'as fait Sur la Play, j'ai fait quelques matchs. Quelques matchs? Bah, dès que tu rentres, si t'as une sale équipe, je te mets 100 euros de points FIFA. Ah, merci encore. Hein, ça va vous priver pas qu'à Gogo. Déjà, encore merci d'être venu. C'est normal, mon ref. Là, on est là, on va rester un peu avec toi. L'après-midi et tout, tranquille. Et voilà, on est là pour te soutenir, frérot. Merci. Ça fait plaisir en tout cas de te voir. Mais t'es pour Paris, toi? Bah, je suis. Tu veux quoi, bon, si tu veux? La prof là, je veux pas moi. Pourquoi je vois des canettes et moi j'ai une bouteille d'eau dans les mains? Il y a un copain chéri, il attend que ça. Tu vois, tu sers vraiment encore pire que lui. Tu sers vraiment rien. Quoi? Il n'y a pas de coca zéro. J'ai dit coca chérie depuis que ça, je suis plus au régime, ça fait 6 mois, bande de fils de pute. Coca chérie, hein? Eh ben oui. Non, mais je viens de demander à Madiane, il me dit. Non, pas de coca, là, prends de l'eau. Prends de l'eau, frère, t'es mon père. Tu m'as dit coca. Prends de l'eau.
Il m'a fait une leçon. Coudou, il a demandé au mec, c'est pour avoir une réduction. Qu'est-ce que tu mens? Ah, c'est. Après, il a raison, parce que le lendemain, je prends à la chiasse, donc. Ouais. Bon, bref, on reprend. Tu es pour le Real, mais avant, j'étais pour Paris. Ok. Moi, je suis pour Marseille. Ouais. Mon père aussi. Ah, oui. Moi, je suis pour Marseille, regarde. Ouais. Hop. Mon père, il est pour Marseille. Et on va rester en Réunion. Et oui, le daron aussi, il est pour Marseille. On va rester en Réunion. Merci encore aussi pour le maillot. Mais c'est normal. Ah bon, on ne peut pas prendre. Il a que pour toi, t'as vu ? C'est très gentil, très courageux. Et sa famille, ses cousins, ses frères, je ne sais pas qui c'était. Toute sa famille. Et signé. Que des gens extraordinaires. Il est meilleur buteur de Ligue 1. Il est meilleur buteur de Ligue 1, frérot. Très fort, Barcola. C'est très très fort. Hein. Et celui-là, il est rien pour toi. Dis-moi, j'ai une question. Qui est tous votre joueur préféré ? Moi, c'est actuellement ? Tout le temps. De tous les temps ? Ah, c'est compliqué. Waouh, vas-y, on commence par Koudou, il connaît rien au foot. Non, il était pas là ce jour-là, ça fait. Il était en Tunisie. Barcola. Même s'il joue pas dans les monnaies. Ouais, mais sans compter Barcola, parce que Barcola, on le connaît trop. C'est la famille. Qui tout le temps, vous pouvez. Cristiano Ronaldo. Ah, pub, attends, il y en a qui. Dites-moi quand la pub, elle est terminée. 14 pubs. Oui, j'avais fait le point avec. Avec qui t'es au téléphone, Koudou? Bah oui. Alors, t'as recollé les morceaux? J'essaye. T'essayes? C'est bien. Ça te fait rire? Non. JP, il est mort de rire. Hein. Non, j'ai mal partout. pas moi, je connais. Je m'entends de mort de rire. T'es vraiment. Tu sais, quand c'est toi, t'aimes pas qu'on rigole, mais quand c'est les autres, t'es le premier à rire, espèce de petite merde. Vous rigolez, non? Oui, moi je rigole sans problème. Mais moi je le dis, je me cache pas. Voilà, moi je ris à pleine bouche. Pas encore terminé, ah, Zeb, ils abusent Twitch. Oh, c'est quoi ça, les pubs là? Gwen, elle continue toujours la diète au tiramisu. Moi, je mange pas de tiramisu. Non, mais j'ai lâché le régime, mais je suis à fond dans le paddle, donc je prends pas de poids. Merci, Kakashi. T'as abusé avec les pubs? Oh, les pubs. J'ai mis le minimum possible sur Twitch. Merci. Merci pour le sub. J'ai mis le minimum. C'est 3 minutes par heure ou un truc comme ça, ou je sais plus. C'est quoi, 3 minutes par heure? Ouais. 3 minutes par heure, les gars, je peux pas faire moins. Si je fais moins, tout l'argent des publicités et tout que vous tapez, ça va tout à Twitch. En fait, c'est parce que c'est en auto, quoi. Même moi, excuse-moi, personne te parle, personne ne te demande ne serait-ce qu'une information ou de participer. Même ta présence n'est pas la bienvenue. Et tu te permets, c'est insupportable. Insupportable, c'est pire qu'une pub. C'est pire. Je préfère regarder une pub qu'un live où t'es présent. Fils de pute. Je suis pas désolé là, les gars. Il me sort de mes gonds. Allez, on reprend. Dimitri Payet. Toi. Dimitri Payet. Il a joué où, Dimitri Payet? Au LOM, un pays de Marseille. Et ensuite. Ton joueur préféré, donc. Merci pour le sub. Oui, c'est vrai, ça m'adore. Neymar, hein, Neymar. Neymar, t'as mis qui toi? Moi, c'est Cristiano. Ah, t'as pas répondu quoi? Et moi, c'est Messi ou. Cristiano Ronaldo? Ouais. Cristiano Ronaldo? Merci. Cristiano. Bon, Ronaldinho, c'est vrai aussi. Ronaldinho, c'est un peu la guerre parce que je préfère quand même un peu Paris plus que l'OM. C'est un peu la guerre. C'est le meilleur taxi. Mais j'aime l'OM. Parce que je trouve leur style de jeu et c'est intéressant. T'as vu là, il est avec en ce moment, il est intéressant. Mais je t'en veux pas, t'as le droit de supporter. T'es le seul mec au monde, tu peux supporter Paris et je t'aime bien. Voilà. Clairement, je t'offre un maillot de Paris. J'ai jamais vu moi à Marseille, je t'emmène. Et il a, son père nous avait dit qu'il a plus lâché le maillot. Depuis ce jour, nous on kiffe, bien de venir. On a kiffé. Il a plus lâché. T'es pas revenu, frérot. T'as kiffé, tu t'as fait kiffer. Mais ça fait plaisir de. Moi aussi. Non, il était en Tunisie, ça finit ce jour-là. Vraiment, mais encore, merci pour tout ce que vous faites. C'est normal, je trouve. Totalement normal. Dès que on va se faire un petit match de foot ensemble. Une grande vie quand je vais venir. Ouais. Parce que les gens, pour l'instant, je peux même pas me stabiliser. Ouais, mais ça, c'est petit à petit. Il faudra un peu de kiné, on va renforcer tout ça. Après.
Bah, c'est le truc, la première des choses, c'est quand j'ai une meilleure connexion et quand j'aurai fait tourner mon mise à jour sur un petit Call of Duty. Mais la tête d'un Call of Duty, FIFA, c'est un lichot à Call of Duty. Je joue à lichot de ouf. Mais tu sais. Ah, moi, je joue quand tu la manette, moi, deux vols, là, c'est. C'est plein de pierres. Ouais, tranquille. Tranquille, c'est ça. Regarde le mal, oui. Il met des nuits qu'à son père. Là, viens, papa. 30-0, allez, 30-0. J'aime bien en plus avoir. J'essaye d'avoir un PC parce que j'essaye de me faire toutes les Call of Black Ops 1, Black Ops 2. Donc dès que tu sors, dès que tu sors de l'hôpital, je te promets, je te dis. T'as un PC ? Un setup complet. On te prend l'écran, la souris, le clavier mécanique, on te prend tout. Pour Naruto, tu fais des trucs pour moi. Tu sors, frérot, tu fais des trucs pour moi. C'est toujours normal. Donc même le siège avec. Ouais, on te fait le bureau. Le problème, c'est que c'est dommage que le clavier, je peux pas y jouer, tu peux le dire. Mais tu sais, dans la manette, ça marche pas, non mais. T'en fous, tu peux y jouer, tu peux jouer à tous les jeux avec la manette. Je vais regarder tous les lives, c'est dommage, mais je regarde beaucoup les lives. J'adore regarder, surtout le live FIFA. FIFA, t'as kiffé le gameplay? J'ai pas pu trop regarder parce que j'étais fatigué. En fait, j'utilise beaucoup le Naoba, je sais pas si tu connais. C'est quoi? Naoba, je sais pas si tu connais. C'est quoi? Mais en fait, c'est un masque pour te détendre et ça te fatigue. Et okay. Je le prends beaucoup parce que j'ai des très grosses douleurs. Mmh. Et du coup, ça m'endort facilement. Ouais, et en plus, j'ai de la morphine en continu. Pour moi, ça t'aide à combattre tout ça. Ouais, c'est ça, c'est bien. Toi, tu m'aides à beaucoup à combattre aussi. Check, mon pote. J'y étais aussi encore. Et... normal. Tu me fais beaucoup rire aussi. Tu diras aux abonnés que je leur remercie pour tout le soutien. Mais bien sûr, tu peux leur dire directement la caméra. Les abonnés, je vous aime et merci pour tout ce que vous faites. Ça fait trop plaisir, vous êtes des boss. Oui. Il a pas oublié. Vous avez vu comment il est? Il a pas oublié. C'était pendant la chain together. Donc, comme ils ont pensé à toi et tout, ils ont été à fond. Et dès qu'on a parlé de toi, ils ont donné à fond. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'il n'y attendait pas et. La bande. Oui, c'est au coup de dé. Tu sais que des fois, je reçois des messages et des gens me demandaient de nouvelles de toi et tout. Les gens, ils ont pas oublié. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens dans. Je pensais pas. Il y a des gens, ils sont vraiment là, présents, même si on ne les connaît pas, et qui connaissent grâce à des vidéos. C'est des bons de ouf. Mais est-ce que tu te rappelles le jour où tu m'as envoyé la vidéo du mec qui pète un câble sur le Discord? Même je suis venu te voir, il était là. C'est un malade, lui. C'est un fou. Tu te rappelles la vidéo qu'il a fait? Il faisait que insulter les modérateurs. Un jour, il m'a envoyé une vidéo, et un mec, il a pété un câble sur un modérateur à nous. Parce qu'il avait ban, c'est quoi? Il avait ban, c'est ça? Il avait ban, il avait pété un câble. Et lui, il m'envoie la vidéo sur Twitter. Je pleure de rire. Là, on devait partir, j'avais trouvé une association là, pour le 24, ouais, voir le Real Barcelone. Et du coup, ça n'a pas forcément. En fait, c'est peut-être évoqué cette semaine, on va voir comment ça se passe, si il vient sur le banc, ça remonte. Et que voilà. Et si il nous disait le 24, c'est bon, je vais le prendre, je vais monter au Real. Et puis même si c'est pas bon, t'inquiète pas, je vais trouver la solution pour merci, vous emmener voir le Real. J'ai un club que j'aime bien, mais c'est les rivales du Real, le Barça. Le Barça, t'aimes bien. En fait, t'es pas dans les guerres, toi, t'as raison. Le Barça, avec Messi, surtout, faisait très mal. Surtout la MSN et la BBC, ils roulaient sur la Ligue 1. Sur la Ligue, la BBC, la Ligue des Champions. Bale, il est très 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 fort au début.
J'ai pas pu voir un match, mais je sais que Zidane était très fort au Real. Ouais, c'est fort, ouais. c'était le prime du Real. Et oui, Barcola, c'est un très jeune prometteur, il a 21 ans, il est gros sur... je sais pas si on peut dire il roule, mais il est très très fort dans la Ligue. Bah là, par contre, il est le meilleur buteur de la Ligue. Je croyais qu'il était à égalité avec Greenwood. Il a 5 buts et il a 6 buts. 6 buts, il a par contre. J'aurais dû chercher avant de rajouter deux minutes. Ouais. Ce soir, au moins. Voir. Par Coco. Et alors, je t'en fais une vidéo avec lui et tout. Merci encore, là. Je vais lui montrer. C'est bien sûr pour ma chance, je te jure. La tête de Wan. Là, je vais prendre une photo avec toi, avec le maillot comme ça, après, je lui montre. Ben, je peux apprendre directement aussi. Bah écoute, il a une chance de fou parce que je te jure que ma parole, moi avec une photo et moi, il veut pas. Si par contre il marque un but, tu veux qu'il fasse quoi comme célébration? Il essaie de lui envoyer. S'il marque ce soir, est-ce que tu veux qu'il fasse une célébration? Le site de Christian. Je sais pas, un truc par rapport à toi. Quand ils ont leur donné du soutien et tout, ils ont fait les dons pour toi. Et toi, tu es reconnaissant. Ça, c'est très fort. Je suis reconnaissant pour vous tous parce que ce que vous avez fait pendant ces 9 mois, ça a été. Même moi, je suis reconnaissant pour toi, je sais, c'est une belle leçon. Vous avez une claque dans la gueule. Parce que tu vois, nous, on fait des lives et tout. Des fois, on râle pour rien. Tu vois, dans la vie, là, on râle pour rien. Et des fois je me dis putain on râle pour rien, mais frérot, il y a un guerrier Mathias, il est en train de se battre comme un fou. Et là il est branché le frérot, moi j'ai pas envie de jouer à FIFA avec toi frérot. Moi aussi je m'embrouille pour rien. Bon oui, et toi t'as le droit. Et des fois, t'as vu des fois, dans la journée, je suis là, je râle pour un truc. Et je dis j'ai pas le droit de râler. Tu penses à toi, je me dis j'ai pas le droit de râler frérot. Tu comprends? Donc même pour nous, t'es un exemple, la tête de t'es un exemple pour nous. T'as plus de courage que nous. Ouais, t'as plus de courage que nous. Voilà. Je sais pas si. C'est le son de vie, c'est le son de fou. Moi, je sais pas si je vais l'avoir pour le faire. Là, une semaine, deux semaines. Ils ont juste la fièvre, malade, frère. Pas de laver, rien. Moi, même à côté, franchement, je suis perdu. Non, j'ai une migraine, j'ai l'impression que. Je suis là, j'ai un peu de fièvre, je bouge pas de mon lit. J'ai l'impression que je vais. Frère, et lui, il est là, il se combat tous les jours. C'est pour ça qu'on a fait autant de routes. Parce que t'es un guerrier. Merci encore. Allez, j'ai fait des impôts, je passe ta vue. Allez, j'ai. Tu plaques un bici, frère. J'ai fait quelque chose. Par contre, du coup, pour l'instant, on se ressemble. On est les mêmes. On a la même coupe. Ah ouais. Mais lui, bon, toi, t'es fichu. Tu penses, non, toi, on n'a pas la même coupe que toi. Reste la tête. Ouais, une forme de bite. Je suis désolé. Mais lui, on n'a pas une forme de bite. Regarde. Faudrait aussi avec. Avec mon argent, acheter un téléphone mieux. Ouais, t'inquiète, tout ce que t'as besoin, c'est moi qui m'en occupe. C'est nous, c'est la team. Bon, dès que t'as besoin de quelque chose. Naruto, ce que tu fais, c'est incroyable. C'est normal, je vais te prendre dans le mur. Je te fais un câlin, mon frère. Ça fait trop plaisir. Bon, là, ça me fait trop plaisir. Hey, dès que t'as besoin d'un truc, bip, bip, on s'en occupe. Le PC, il faut un téléphone. Ça tombe bien. Ça tombe bien. T'inquiète, sois fort, tranquille. Ah allez, on va te mettre bien. On va prendre le téléphone. C'est quoi le téléphone qui te l'achète, le téléphone? Voilà. Et avec JP, nous on t'achète le setup entier. Les écrans, le clavier. Moi, dès que je vais venir, je vais vous acheter des fleurs pour vous tous. Bah vas-y, moi j'accepte les fleurs. Et maintenant, il vient. Moi je t'achète le bureau, moi, le gamer, moi j'achète le bureau. On participe tout, on te fait un setup de fou. Là, c'est la France. Regardez bien, on va faire un match FIFA.
et que le meilleur gagne. Et les abonnés, merci pour tout ce que vous faites. Hein. Moi, j'aime trop. Quand il fait des choses, j'aime trop. À chaque fois, les abonnés, là, ils te kiffent de fou, les abonnés. Donc, voilà, prochain live, je t'appelle. Et là, ils vont kiffer de fou. C'est le nouveau local. C'est le frère du local. Voilà. C'est ma chasse. C'est l'anglais du local. Le petit frère du local. Donc, je prendrais bien soin du local avec lui. Et dès que t'es en âge, dès que t'es en âge, tu seras le nouveau stagiaire du local. Ah ben je vais pas l'oublier ça. Tu l'oublies pas, on te met stagiaire du local et on te fera signer ton premier contrat au local. Carrément, dès que vous postez la vidéo, je la télécharge sur mon téléphone. Futur stagiaire du local, employé du local, futur streamer du local, une annonce. Ok, Inch'Allah, moi je te le souhaite. Venez, je t'aime bien. T'auras plutôt pas besoin de chercher du boulot. Naruto, moi je te souhaite tout mon courage pour ton. Ça me fait beau, c'est sûr, ça c'est quelque chose qui me touche de fou. Ça me fait vraiment plaisir. Je te donne toute ma force, je te donne toute notre force. Merci beaucoup, frérot. T'es un boss. Même les abonnés te donnent tout. Oui, ils ont été là, ils ont été présents, tout le monde qui a été présent. Ouais. C'était compliqué, mais tout le monde était présent. T'as répondu. Mais voilà, donc tu sais, frère, on sera toujours là. Allô? T'as un coup de mou? Ouais, tu te sens pas bien? Même si t'es fatigué, même si t'as du mal à parler, tu peux parler. Tu vois? Moi, ça me dérange pas, frère. Si même si t'arrives, tu réponds, t'es faible, t'arrives pas trop à parler, moi, il n'y a aucun souci. Tu n'es pas honte avec moi, ni rien. Tu pourras toujours m'appeler à n'importe quel moment. Frère. Toujours là. Et tout le local, on s'en va. C'est tellement la meilleure question. Il mange une pizza, regardez. Ça va dans 6 mois, il a 6 mois, il a le dentier. Là, pendant 6 mois, il peut pas. Mais ça va, comme première chose que j'ai mangé quand j'ai le dentier, c'est une pomme. Oui, dis-moi, si mange pas. Ah, une pomme. Là, couscous. Là, il y a aujourd'hui, là, ça mange du riz, un peu de saumon. Tout ce qui est mou. Les bâtons, je sais pas si Alice il a le droit aux bâtons de surimi. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as changé de téléphone? T'as dû payer ça une blinde? Non. Ouah, c'est du compte. Et c'est reconnu. Attendez à que. Mais putain, attendez pas que ça se quand même. Merci. T'es le meilleur, la chose, merde. Ah là là. Moi, parce que des fois, dans les lives, tu fais. Bah, vous faites tout ce que tu dis. Dis-moi, c'est. Est-ce que c'est dur de recevoir tout le temps des critiques? Non, en fait, ça fait partie du jeu, Mathias, tu vois, quand t'es une personne publique sur internet et qu'il y a des gens qui te suivent, tu peux pas avoir que le bon côté, tu peux pas avoir que des gens qui t'aiment, ça existe pas, t'as forcément quelqu'un qui te déteste. Non, mais je me demande si ça te touche, ça te blesse. Bah, des fois c'est chiant, mais après faut rester fort. Faut pas leur montrer, en fait, même si ça te touche, faut pas leur montrer. Du temps, la plupart des gens qui disent des grossièretés et des bêtises sur le truc, quand ils nous voient en vrai, ils nous montrent direct des photos et des dédicaces. Il n'y a jamais personne qui nous a emmerdé dans la rue, que ce soit JP, Koudou, moi ou n'importe qui de l'équipe. Personne nous a jamais manqué de respect dans la rue. Après, c'est vrai que sur internet, tu sais comment, quand t'es derrière l'écran, les gens ils peuvent se permettre. Moi, je pense que vous nous emmerderez tout le temps pour prendre les photos. Quand tu veux. Non, t'as pas compris. C'est quand tu vas rejoindre le local, ok, et que tu seras au local, tu seras le stagiaire du local et tout, c'est les gens qui vont te demander des photos. C'est pas toi. Pour moi, juste être à côté de vous, c'est incroyable. Et dire qu'un jour je vais être dans le local. Oui, tu vas venir dans le local, le stagiaire du local. Stagiaire du local. Et dès que tu es en âge, tu fais ton premier contrat au local. Merci encore. Normal. YouTubeur, streamer. Twittos aussi. Salut les mecs, c'est trop du roi là, après j'avais déjà rejoint Naruto sur ce qu'il a dit, c'est que nous on plein de petits trucs alors que Mathias a eu pire que nous, franchement c'est une leçon de vie. C'est vrai. Attends, je vais juste couper les dons le reste. Je la montre à tout le monde, il risque d'avoir des problèmes.
Nous, on a eu la chance de le voir. Ah, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Vous faites des trucs, Naruto, sa fille, JP, vous tous, vous faites des trucs incroyables. Merci. Je sais pas comment ça me fait kiffer de te sauver et tout. La base. Vous me faites déjà sourire avec vos lives. C'est, même quand avant je les regardais, je. C'est quoi que tu préfères dans la lettre quand on frappe JP? Non. C'est quoi que tu préfères dans la lettre quand on frappe JP? J'aime tout. Parce que si c'est ça, on frappe encore. Laisse-moi un peu de répit. Ouais, je suis d'accord, Adeline. C'était très dur pour le peuple. Parce qu'on savait déjà à ce moment-là. Merci. On savait que. On avait eu les résultats des derniers scanners, on savait que c'était la fin. Il y avait très très peu de chance pour que. J'ai même dit ce que tu m'as dit, là, qui répond sur Twitter. Papa, il a été jusqu'au bout. Solide. Mais oui, oui. Parce que je voyais pas que tu m'envoyais des messages sur Instagram. Je vois pas Instagram. Je reçois trop de messages sur Instagram. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais quand j'écris un message, ça me fait. C'est pas grave, là, on va t'envoyer un téléphone, un numéro. Merci. On va prendre un message. Merci encore. Merci. Ouais, ça va, ça se voit, il est bien. T'inquiète, l'iPhone, ça, je m'occupe ça de la semaine. Ouais, ouais. Merci. On va pas te déranger trop longtemps. Tu puisses bien te reposer, Mathias. Bon, déjà, t'as fait un effort de fou. En tout cas, je vous appellerai. De suite. Dès qu'on arrive, on te nous appelle pour que tu tiens le jus. Bon, en tout cas, le fait que tu nous aies ouvert la porte de ta chambre, alors que tu n'ouvres pas je te jure, ça me touche énormément. Pas de chance, je vous ai reconnu directement. Écoute, on peut pas tout. Vraiment, c'était bien. C'est un flop. C'est un flop, c'est ça qu'on traîne. Non, c'était très bien parce que si moi j'aurais pas l'œil. ça prouve que t'es efficace. Hein. Ah, si je serais rentré tout seul, à mon avis, avec la blouse, il m'aurait beaucoup de mal. Avec ta grosse tête de détraqué. Dis-le, avec ta tête de détraqué, on n'en voit pas tous les jours. Dans la charlotte, dans la tête de charlotte. J'y vais, tu l'aurais reconnu direct. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'a même pas dit. Bonjour. J'y vais. Mathias, il aurait dit, mais c'est qui? C'est lui, il est malade ou c'est moi qui est malade? Et pour vous voir, être en live, manger tous ensemble. Tous ensemble, passer un maximum de temps. Ouais, il voulait à mort faire un resto. Je te fais un câlin, Mathias. Merci. On se voit bientôt. Merci prends soin de toi. Bon. Merci. Et surtout vous, pas vous. Non, j'étais pas sûr. Merci beaucoup, frérot. Vous pouvez pas y être. C'est le boss des boss. Allez, profite à fond avec ton maillot, etc. Moi aussi, profitez au moins. Si tu reçois beaucoup de messages, c'est normal, c'est que j'ai mis la story, d'accord? Bon, nous on va faire en sorte de t'offrir tout ce qu'on a à t'offrir. Merci. Ok. Encore. Et de te faire kiffer au maximum. Merci encore. Allez. Check du coup de brother. Celui-là il est que du local. Celui-là il y a que des gens du local. Normal. Et quand ça va pas, t'appelles, on est là. Allez, toujours. Vous avez un sarcome de wing, un truc comme ça, je sais plus le nom. C'est un cancer. C'est la promesse qu'on s'est fait. De toute façon, je vous appelle. Voilà. N'oubliez pas la promesse, hein. C'est la promesse du local, ça. En 10 mois. 10 mois. Il y a 10 mois avant ça, il allait très bien. C'était un enfant comme les autres. En moins d'un an, ça l'a. Quand tu sortiras, tu devrais. Très très violent comme maladie. T'as un peu froid, mais t'as la veste Nike de Naruto. Merci. Je te l'offre, je te la mets là. Merci encore. Je te l'offre. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, et on se voit bientôt. N'oublie pas ce soir. Oui, on s'appelle ce soir. Ouais, bon, c'était dur avec ton papa. Toi aussi, tu nous envoies quand tu reçois ton repas. On te voit la semaine prochaine. C'est la photo que tu tires du pied à coudre. Ah, et c'est la photo que tu tires. Ah oui, j'ai bien marre. Et après, il a dormi. Comme ça, il dormait avec le t-shirt des pieds à coudre. Avec le t-shirt de coudre. Avec le pyjama. Non, ouais, bien sûr. Allez. Allez, j'ai hâte de voir la photo où t'as le truc de, avec le pied de Koudou. Bon, Mathias, repose-toi bien. Ça, c'est généralisé. Et tu sors, on se voit. À la base, Et si ça prend du temps et que tu sors pas, je reviendrai te voir. Non, Maduro, tu n'étais pas là sur moi. Promis. Bonne journée et bon appétit quand vous mangez ici. Mathias, si je fais ça, je remonte. Ok, mon fils. T'as le poste, t'as ton téléphone, t'as tout ce qu'il faut. T'as ton téléphone avec toi? Oui. Attends, je te mets le pistolet à côté. Ah, plus mon corps. Merci. Ah, franchis, Twitch. Non, pas facile. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Ah,
C'est dur. J'essaie de faire le bonhomme, dire je vais pas pleurer. C'est dur, ouais, ouais, parce que. Pas pleurer. T'as les yeux qui piquent. Ah, merde. Ah, c'est tellement un bon petit gars. Il se plaignait pas. Il se plaignait pas. En fait, il pourrait. Ouais, JP, t'arrives à manger, puis machin chouette. Ouais, ouais, ouais. Ça va les cheveux, t'as pas trop mal. Les... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est bientôt la fin, je pense, non ? Ouais. Non, non, j'étais pas moi. Là. Non, il était pas là. Non. Non. Moi, je suis allé le. C'était le... dimanche. La dernière fois, on est allé le voir. Il est mis à la boucle. Fatimax. Pourquoi tu n'étais pas venu le dimanche ? Je sais plus pourquoi. Mais ma femme, déjà, elle venait d'accoucher et tout. Ah oui, oui. Oui. Je crois que c'était compliqué. J'étais avec le petit et tout. Je pense que tu aurais su, tu serais venu, tu serais démerdé. Je sais pas. Ouais. Non, c'est, de toute façon, dès, là pour dès toi, que pas. Ça a commencé à chuter, ouais. Qu'il était pas bien, on est allé. Tu te libères, c'est l'urgence. C'est l'urgence, hein, normal. Ouais, c'était. Non, mais. Ouais, mais je. Merci pour mon brother. Merci pour que vous venez et tout. Mon brother. On viendra, nous aussi. Mais bien sûr, t'as intérêt. Je vous appelle. Viens les petits slips. Viens les petits comme ça. Merci Oli. Merci, merci. Merci ce moment. Merci pour le sub. Bah, tu peux dire merci quand même. Merci pour les subs. Pour lui. Avengers, c'est là. C'est là où tu l'as acheté groupé. Je vous appellerai. Ouais, ouais, Mathias, on t'attend, hein, nous, on t'attend, au local, hein, oublie pas. Ouais, toi, Mathias. Au revoir, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Il nous a remercié, c'est comme ça. On va jamais vous remercier comme la vie. Parce que pour nous, si vous avez une place pour lui importante, même pour nous. Même pour nous, vraiment. Vraiment, il compte énormément. J'espère qu'on va bien évoluer. Et là, du coup, si les bilans sont bons et tout, on attaque la chimio. Si les plaquettes sont remontées, je pense que dans la semaine, on devrait attaquer la chimio. Combien de temps de chimio ? 5 jours. Et après ça ? Et après, voir comment ça se passe et peut-être un retour possible à la maison. C'est la grosse chimio qui fait. Ouais, là, pendant 5 jours, mais c'est pas la grosse, elle dure 2 heures. Mais après, celle-là, elle sera efficace 3 semaines dans le corps. Okay. Et après, on reviendrait faire la suite. Et les masques qu'on a trouvé là dans le cerveau, c'est pourquoi alors ? Mais, ils pensent que c'est dû à la maladie. Pareil aussi avec ça, avec celle qui est des gélules là, quand ils vont attaquer un matière, 15 jours sur 2, je pense que ça peut être efficace au cerveau. Là. Et le dos ? Le dos, c'est la chimio par voie, tu sais, qui t'a montré là, ou par ça. On espère que ça va le faire. Bien sûr, il va y arriver. Soldat. Ah oui, guéri. On a rien lâché. Bon, en tout cas, merci à toi. Toujours, merci à toi. C'est normal, hein. On sera toujours là, t'inquiète. Promis, on sera toujours là. Pour lui, t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles tout de suite. Moi, je serai toujours là, tu m'appelles. Vive, on est là. Putain, c'était dur. C'était dur. Très belle vidéo. Elle m'a flingué la vidéo. Ouais, t'es pas le seul. Hein. La cagnotte pour les parents est toujours active. Je sais pas, je pense que oui. J'espère que oui. Faudra que je demande à Wen. Je remettrai le lien. Ouais. Parce que. Il y a un grand besoin. Il y a un besoin. Ça coûte cher les enterrements, un truc comme ça. C'est pas donné quoi. Sur Litchi, oui, ok. Ah, si vous avez le lien, n'hésitez pas. S'il y a des mots d'eau, si vous avez le lien, mettez-le. Merci. Ouais, ça a mis une cartouche. Dans la bio de la vidéo ? Non, ça, c'est l'audio. Ah, mais je suis pas connecté.
fait demi-tour. Et là demi-tour. Non, fait demi-tour, ça c'est une autre vidéo. Regarde. Ah oui, oui, je suis con. T'es... Pardon. Ah, ok, l'équipe, bon. Je sais plus. Voilà. Ah, ben elle est là. Il y a le lien dans la. Pardon. Vous allez sur la vidéo d'Owen, Naruto V, et en bas, vous voyez, il y a le lien de la cagnotte Litchi. Merci à tous ceux qui ont participé, qui participent et qui participeront. Merci pour eux. Merci pour Mathias. Merci pour son père. Et pour son père, ouais. Très très grand bonhomme, hein, oui. Le papa. La maman aussi, hein, force à la maman qui a très très mal vécu la maladie de son fils. Clair. Ouais. Merci Napstro. Ouais ouais, Tristan était dur. On va de toute façon on va se quitter sur ça les amis. Ton classement au paddle, ouais, je ne sais pas. Pas ouf en ce moment, mais je vais envoyer des tournois là. Ah putain. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit quoi? Non, rien. Ah mais il te troll, arrête un peu. J'ai rien dit, c'est pour ça que j'ai rien dit. Pour Wayne, ça doit être très compliqué aussi. Ouais, Wayne, ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaché à lui. Beaucoup investi. Et ça l'a beaucoup, beaucoup affecté. Merci Inos. Voilà, il y a le lien pour la cagnotte. Inviter le père. Bah, Owen, il est en contact avec lui. Moi aussi, je suis en contact avec son frère, je crois. Ouais, c'est parce qu'après, là-bas, le jour de l'enterrement, il nous a accueillis pour manger chez eux, avec toute la famille. Une famille super. Très, très gentil. Très gentil. Des gens très gentils. Une belle ville, Béziers. Ouais, franchement. Ouais. Pas cher, l'immobilier pas cher, ouais. Et tout. C'est un beau cadre de vie. C'est une belle découverte. Je connaissais pas Béziers. Viens, on fait une partie ensemble, Gwen, au paddle. Si tu veux, Zorc, moi, je suis à Nice. Mais là, pendant une semaine à Paris Games Week, il va falloir... Il y a des gens de Paris qui connaissent un terrain de paddle où il y a moyen de prendre une... de réserver un cours pendant la période de la PGW. Je peux pas rester toute une semaine sans jouer. Ouais, c'était un sarcome. Bien sûr, Stardust. T'as ta poubelle, gros ? Tiens. Dédicace à Marie-Thérèse. Mon frère tape dans un club, c'est vrai? Ouais, c'est bon, Steve. Ah, Boulogne-Bianco. Ah, Kimaru, tu y seras ou pas? Est-ce qu'on va se voir là-bas? Il y a un terrain à Montreuil. Pour moi, le plus dur, c'est le funérarium. C'était dur? C'était dur. Moi, c'est le... Je sais pas. C'est... Bon, tout est dur. Hein. Ouais. Mais déjà ça. Ah, l'église, quand il montre les vidéos de lui petit et tout, ah, c'était... Oui. Ça a mis une cartouche. Et puis la mise en terre. Ah, mais ça, ouais. Quand tu dois dire au revoir, ouais. Tu penses au papa. Ah, c'est le papa, moi. Dès que je parle avec le père, dès que... Parce que voilà, maintenant, Mathias, il est dans un endroit meilleur. Il est en paix. Mais le plus dur, c'est pour le papa. De continuer sans lui. Hein. C'était son petit garçon. Quoi. Je pourrais même pas le. Je sais pas comment je pourrais faire. Pas la PGW, mais je suis à Paris. Est-ce qu'on va se voir? Est-ce que t'as prévu de passer nous voir? Ouais, le boomer, oui. Il était fils unique, ouais. Quand ça touche. Ah oui, Francky, bah toi-même, hein, tu étais. Bien placé pour savoir, t'as beaucoup d'enfants. Hein. Quand t'es papa, c'est pas pareil. Hein. Ah, la vie, c'est plus la même. Hein. Ah non. Rappelez les dates SVP de la PGW, c'est quand déjà? 23, 24, 25, 26. Normalement, c'est jusqu'au 27 la PGW. Non, mais nous, on est jusqu'au 26. 26 ce matin, je crois. Le dernier au revoir est très compliqué, oui. Ouais. Un soir, je dois voir Madiane et Ayoub, donc il y a moyen, on se croise, les gars. Je veux faire une bise à JP. Ben passe, tu passeras au Airbnb qu'on a loué. Mmh. Tu passes un soir. Je suis classé 6178. Non, ça m'étonne, je suis pas aussi haut, je pense.
Surtout que ces derniers temps, je n'ai pas fait de tournoi. Il y avait du monde à l'enterrement. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait du chrome. Il y avait 2-3 abonnés qui sont venus, je crois. 2-3 abonnés, il y avait ceux de... Mais ils ont été discrets, polis. Très discrets, très polis. C'est très bien. Ouais. Il y en avait beaucoup. On les remercie d'ailleurs. Il y en avait beaucoup de la classe à Mathias. Puis la famille, les alentours, les amis. Ouais. On se croise à la... Ah, Bantier, alors. Nous, on y est quand, nous? Nous, on est les 3 premiers jours. Je sais plus quand. C'est quoi déjà? Putain, à chaque fois j'oublie. De quoi? 23, 24, 25? 23, 24, 25. Nous, on est 23, 24, 25. Peut-être bon. 26 au matin. Si on se lève et quand on est... Normalement, c'est ça. Viens au TCP pour jouer au paddle. Je connais pas. Mais je verrai là-haut le plus proche si j'arrive à trouver des gars pour jouer. S'il y a des gars de Paris, je vous mettrai... Akimaru, si tu veux jouer. Ben, le soir où tu viens, si t'arrives à réserver un cours vers là-haut... Ce sera déjà mardi soir sur Paris. Quand on a nos heures de route. Vous restez pas samedi après-midi? Je sais pas, je crois pas. Samedi, moi déjà, c'est dur de partir, de laisser ma femme seule avec les deux gosses. C'est vraiment exceptionnel, tu vois. Bonne soirée, Gwen. Vous êtes les... Merci mon ref. Bonne soirée à toi. Je taffe moi la semaine. Tu es quel niveau au paddle? Après, ça dépend des clubs, tu vois. Ici, je suis allé, je suis à un 6. 6 plus. Vous n'y allez pas le samedi 26 au salon? Je sais pas. Hein. Je sais pas, peut-être le matin. Après, hein. On n'a pas... On verra. Hein. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y est... On aurait déjà fait le tour, ouais. Nous, c'est... Nous, on vient pour la commu, tu vois. Voilà. Après, je sais que le week-end, il va y avoir beaucoup d'événements. Il y aura d'autres streamers et tout. J'ai pas envie que... Parce qu'eux, ils sont sur les stands. Mais nous, comme on n'est pas invité, on n'est pas sur les stands. Ça veut dire qu'on va se balader dans les allées. Ça fait un peu des attroupements. Ils n'aiment pas ça. Déjà qu'ils en sont dans leur collimateur. Si en plus, ils vont après trouver encore un truc à dire sur nous, ouais, en plus ils ont bouché le truc, ils ont fait les émeutes. Ah, heureusement l'année dernière il y avait le stand de Sébastien. Ouais, de Sébastien Abdelhamid qui nous a mis bien, on avait un stand, voilà, un lieu où on pouvait être, faire venir la commu, faire les concours, faire gagner des cadeaux et tout. Mais là cette année ça veut pas de nous, donc on vient pour la commu pour voir, mais on veut pas faire d'attroupement et foutre la merde et déranger le bon déroulement de leur événement. Tu l'as payé combien ta raquette de paddle? Là j'en ai plus, j'ai cassé ma raquette. J'arrête pas d'en casser. Après je joue beaucoup. Hein. J'ai cassé ma raquette. Normalement cette année il y a tous les halls. Hein. Comme l'année dernière. Hein. Je sais pas du tout. Si. Ils ont dit même ça aurait été plus grand. Quoi. JP, c'est quand le retour des live Fishing Simulator? Oh là. Vous y allez en équipe de combien la PGW? Il y a tout le monde, Alban. Tout le monde. On est beaucoup. Ouais. Oh, c'est Alban, c'est qui est venu ici, non? Ouais. Ouais, mais on se fait Alban. On l'a vu déjà l'année dernière. Comme d'habitude, hein, ouais. Rendez-vous au clope. Hein. Ouais, c'est vrai. Passer la journée à fumer des clopes. Voilà. Sinon, t'as mon numéro de téléphone, hein, tu m'envoies un message. Il n'y a aucun problème. Faites une contre-PGW. Ah, on pourrait, hein. Ah, franchement, on pourrait. Mais bon, c'est mal vu. Après, t'es sûr que t'es plus invité, t'es plus rien, quoi. Raquette à 200 euros, comment tu fais? Mais même plus que 200 euros, 250. 250 balles, je l'ai pété, je suis dégoûté. Deux fois que je la pète, en plus. Bah, la première fois, c'est normal. J'ai perdu en demi-finale de P25, match que je dois gagner. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai éclaté contre le mur. Contre le mur. Aïe. Et la deuxième fois, c'est pété tout seul, je suis dégoûté. Bonjour, c'est mon premier after kick. Bah, bienvenue à toi, papa Arturo. Faut absolument éviter les attroupements, sinon vous allez vous faire sortir. Ben on évite, tu vois. À chaque fois, on essaie de pas trop stagner au même endroit pour pas que ça fait... Tu vois, on essaie d'avancer, mais c'est dur. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que tu fumes pas, ça. Mais bon, tu m'accompagneras dehors. Ouais. Pas de problème, comme ça, tu prendras l'air. Pour les petits poumons. Et voilà. JP avait un rêve, c'était des nouvelles, je suis con. T'auras Emily seulement quand t'auras pété le midi. Si tu pètes pas le midi, c'est Mario qui te cassera le dos. Vu ton expérience, on ne pense pas que tu seras bon au lit. JP, c'est un vrai bon dans les roues. On a tous vu qu'il avait les crocs.
Mais bon, c'est un peu compliqué. Il lui reste que 4 chicots, il lui reste que 4 chicots.